Donc là, on est du côté de Rambouillet. Et en fait, on fait une intervention parce qu'on a un monsieur qui détient des chiens illégalement. Ce monsieur a fait de l'élevage et de la pension. Voilà, là, on va rentrer et puis on va se rendre compte par nous-mêmes. Là, je fais du repérage. Là, j'en ai trois. Je vais prendre des photos directement. On a un berger blanc suisse, ça fait 5. Normalement, c'est un élevage d'American Bully. Et ben là, on se retrouve avec un petit peu toutes les races. Donc du coup, on a du Canet Corso, j'ai pu croiser des bulldogs français dans les couloirs. Je crois que j'ai vu un York. Donc voilà, pension, élevage, tout mélangé. Ce matin, du coup, je vais les récupérer à 9h. C'est ma femme qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire en effet que qu'il était en garde à vue et que voilà quoi. On avait vu quelques commentaires. J'ai un boxer et un whippet, un lévrier. Je vais essayer de les voir quand même, je les ai pas mis. Un petit monstre. Il me l'a rendu 7 kilos de moins et complètement mort. Gasper, 10 ans, un staff. Il était en pleine forme, il était beau, il était gentil, il était tout ce qu'on aime. Chaque fois que je pars en vacances, j'ai confié mon chien à plusieurs pensions, dont une en particulier. La seule fois où je l'ai confié très longtemps, c'était au mois d'août 2022, plus de 3 semaines. Et malheureusement, quand je l'ai récupéré, il était affamé, il n'a pas eu à manger. À part des noyaux de pêche, il ne voyait plus, il ne marchait plus. Je l'ai fait opérer des yeux le lendemain matin parce qu'il avait reçu de la soude caustique sur les yeux, ce que le monsieur a reconnu après à l'audience. Il a été tapé, on lui a cassé la patte avant droite. Bref, il ne marchait plus, c'était une loque. J'ai essayé de le sauver avec l'opération des yeux qui était le principal problème, mais en fait il s'en est pas sorti, il a fait une hémorragie et il est mort dans mes bras 2 jours après. C'est horrible. C'est dégueulasse. Bref, j'ai pas envie de revoir ça maintenant. Moi, comme c'était le compagnon de ma vie, c'était une partie d'un prolongement de moi, ce chien, tellement il était attaché à moi, j'ai fait tout ce qu'il était en mon pouvoir. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était qu'on lui enlève ses chiens et qu'il ne soit plus en mesure de pouvoir leur faire du mal. Un des deux s'est soi-disant sauvé, on l'a retrouvé mort, ce que personne n'a cru. Et un autre a été enterré par monsieur, la femme qui n'a pas cru du tout et qui a bien fait. Elle a fait déterrer son chien, elle l'a fait autopsier et il avait lui aussi subi de graves sévices. On sentait déjà, quoi qu'il arrive, qu'il avait un rapport à l'argent qui était compliqué. J'aurais aimé faire son profil psychologique, mais j'ai du mal à comprendre. Donc, est-ce qu'il n'est que cupide et assoiffé d'argent, ou est-ce que c'est vraiment un tortionnaire et
un mec complètement fou. Ce que je comprends pas, quand on confie des bêtes, c'est fait pour être choyé, c'est fait pour être... C'est difficile, déjà ils sont pas dans leur univers, donc au moins d'être gentil avec eux, mais là en l'occurrence c'était pas du tout le cas. Ne confiez pas sans être même rentré en relation avec une ou deux personnes qui a donné des avis. Vous pouvez aussi demander à votre vétérinaire qui va, il va jamais vous donner et vous adresser à un fou comme ça. Il était protecteur de mes enfants, il était adorable. C'est un chien très 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 gentil. D'ailleurs tellement je l'aime, j'avais du mal à me séparer de lui. Après l'autopsie, je l'ai fait enterrer au cimetière d'Anières, au cimetière des animaux. On va rentrer très très vite parce que derrière c'est les chiens sont quand même super énervés. Pour le coup on va faire aussi fourrière parce qu'on a des chiens effectivement qui étaient ici en pension. Donc c'est des chiens qui ne nous appartiennent pas et qu'on va devoir redonner à leur propriétaire.